Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai gagné à deux concours. Donc un, je me doute de ce que c'est, celui-là, je pense savoir ce que c'est, mais l'autre, je ne sais pas du tout, vu que les lots n'ont pas été... J'ai pas vu les lots, donc je ne sais pas ce qu'il y a. C'était sur la chaîne de Le Petit Monde de Peg. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'informations. Voilà, désolée pour ma tête, mais je viens de finir la semaine. Là, il est vendredi, on est vendredi. Et il est 20h30. Voilà, depuis ce matin, ça fait un petit peu long. Sachant que je suis malade aussi depuis deux semaines. Voilà. Gros rhume. Malade, bien malade, et puis en travaillant c'était assez fatigant, mais bon voilà, ça y est, je suis en vacances enfin, donc je suis super contente. Donc on va ouvrir les lots, les enveloppes, donc c'est parti. On va commencer par celui-là. Donc je pense que c'est j'ai joué sur Facebook, il y avait une robe de Noël pour enfants et une grenouillère pour garçons. Je crois que c'est la robe que j'ai gagnée parce que j'avais joué pour mon petit cousin ou ma petite cousine, vu que... Et ma petite cousine là, donc tant pis, je vous la ferai gagner sûrement l'année prochaine. Voilà, donc c'était avec sur le Facebook de Babou. Félicitations, vous trouverez dans cet envoi la tenue 23 mois gagnée lors de notre concours Facebook. Voilà, donc il y a le petit bonnet. Ils ont laissé le prix. Si vous cherchez une tenue de Noël pour votre enfant, sachez que chez Babou, il y en a. Et donc la robe, elle est trop jolie. La robe, elle coûte 6,50 €. Je pense que je vous la ferai gagner l'année prochaine sur ma chaîne. Allez, ensuite, je vais ouvrir l'enveloppe de Peggy. Donc c'est assez lourd, hein. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, je l'ouvre. Oh là là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ah ouais, alors ben ça je connais pas du tout. Ben je crois que c'est pour faire du scrap. Je pense que c'est des petits tampons, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas du tout, donc je dis n'importe quoi là. Il y a écrit tampon transparent, oui, donc c'est ça. Si vous voyez bien. Voilà. Donc si un jour je me mets au scrap, pourquoi pas. Mais je ne sais pas du tout comment on peut l'utiliser. Comment on peut les utiliser, je regarderai ça de plus près. J'ai vraiment une tête de malade. Ensuite, j'attrape un petit masque comme ceci. Je ne sais pas de quelle marque c'est. Je ne connais pas du tout. Relax, take a selfie. À la grenade, effet hydratant. Voilà, je connais pas du tout. Donc, je testerai. Ensuite, il y a un masque pour les lèvres. Comme ça, j'ai jamais testé. Ensuite, il y a... Ah, ça, c'est génial.
Enfin, le reste aussi, hein, mais... Alors, c'est un petit bloc-notes comme ça, aimant. Ensuite, il a une jolie carte comme ça. Je pense que c'est toi qui l'as faite. Je viens de réaliser que c'est toi qui l'as faite, en fait. Elle est super belle. Coucou Marine, bravo pour le concours. J'espère que les bricoles te feront plaisir. Joyeux Noël à toi et à tes proches. À très vite. Enfin, je suis trop contente d'avoir gagné ce concours. Ensuite, il y a une eau micellaire. Comme ça. Qui est brochée. Jamais testée non plus. Donc, c'est super. Ça, je pense que ce sont des perles de bain, mais alors si c'est des perles de bain, je vais être un petit peu embêtée parce que je n'ai pas de baignoire et ce n'est pas marqué en français, c'est tout marqué en allemand. Je crois que c'est de l'allemand, vous êtes d'accord avec moi? Mais voilà, je vois qu'il y a des petites billes ici. Là. Là, là, là. Là. Vous voyez? Donc si c'est des billes, ben... Dommage, je n'ai pas de baignoire. Pas de baignoire. Mais bon, je trouverai toujours à m'en servir dans un hôtel ou chez des amis. Genre, je vais chez des amis et... Ouais, tu me prêtes ta baignoire, je vais prendre un bain, je vais essayer les perles. Bref. Et il y a aussi, ben, je crois que c'est pareil, d'autres petites perles, mais à la grenade apparemment. Parce que je vois une grenade là-haut. Oui, ça doit être ça. Voilà, donc de la marque Balea. Ben, je connais pas du tout ça, donc si j'ai l'occasion, je les testerai. Si j'ai l'occasion d'avoir une baignoire, ben, je testerai. Ensuite, il y a un petit crayon. Un crayon, un crayon normal. Sostrengren. Eh ben, je connais pas du tout, je suis jamais allée dans cette boutique. Donc un petit crayon, ça sert toujours. Eh ben dis donc, tu nous as gâtés, hein. Enfin, tu m'as gâté. Il y a une jolie pochette comme ça. Have a nice day. Have a nice day. Et le dernier. Après, il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal. J'attrape un petit crayon. Alors. C'est un eyeliner. Je vais l'ouvrir. Comme ça, je verrai. Voilà. Ah ben voilà. Donc c'est un bon. C'est la marque Sumita. Je ne connais pas la marque Sumita. C'est un marron foncé, presque noir. Donc c'est super ça. Que je m'en sers de temps en temps, donc bon, pour travailler je me maquille pas, mais je m'en sers de temps en temps, donc c'est super cool. Donc je suis super contente d'avoir gagné ce concours. Merci beaucoup à toi Peggy. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos. Et puis quant à moi, ben, je vous dis à ce week-end.
passez de bonnes fêtes de Noël, un joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, gâtez bien vos proches. Profitez bien de vos vacances si vous en avez. Et puis je vous fais de gros bisous et puis joyeux Noël encore. Et puis sûrement ce week-end. Demain je vais à Sanary, donc je pense que je vais faire un petit vlog là-bas. Il y aura un feu d'artifice et puis des illuminations. Gros bisous.